Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous en ce bon après-midi? Bon, je pense qu'on peut se faire quelques ranked, à mon avis, ça peut être sympa. J'avais dit pas de tabasco, mais bon, tant qu'à faire. Espérons que le niveau soit pas déplorable. Merde, ça c'est emmerdant en effet. En effet, ça c'est très très emmerdant. Oh putain. Oh non, mais non, mais non, mais non. Salut Aka, comment tu vas? Trop trop bien. Bon, celui qu'il faut focus en priorité, c'est le Black et l'Alaska. Qu'est-ce qui fait le Saint-Louis? Salut Kikasseré, comment tu vas? Vache! Je tirais totalement à l'aveugle. Bon, moi je vais m'occuper de ça, hein, du coup. Oh non, mais non, mais non, 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 faut le spotter là, l'Alsace, les mecs. Mettre en kite et je vais tirer sur l'Alsace. Qui a décidé de freiner? Faudra qu'on m'explique quand même comment je peux overpen un. Ça va être chiant, chiant, chiant. Bah oui, je pense qu'ils sont tous à la plage et ils ont raison. Ce qui est cool, c'est que je suis en train de dégrossir le black, au moins. Oh non, 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 bah oui, bah oui. Oh la vache, putain. Risible, mais c'est pas. J'ai le droit de plus être la piñata ou pas? Genre, ils peuvent en sortir au moins un de DD ou pas? Oh putain. Problème résolu, chef.
Super, super le black, super. Magnifique. J'essaie de me barrer. Tourner mes tourelles, aller choper de l'autre côté. Voilà, joli. Et oui, je pense qu'ils sont tous à la plage. Oui, mais je... En soi, ils ont... Ouais, ils ont raison d'être à la plage. Il fait beau, autant en profiter, hein. Les vacances, c'est... Les vacances, c'est autre chose que le stream, le jeu, etc. C'est un moment où on se vide la tête de toutes ces emmerdes wargamiennes, comme on dit. Salut Everett, comment tu vas? Bon, moi je vais juste faire ça en fait, dégrossir les navires. Torpille droit devant. Voilà, mais sauf que c'est moi qui vais me faire dégrossir à coup de torpe. Torpille droit devant. Merci le Kita. Joli. Petit coup de main, le Saint-Louis. C'est bon, tu peux? Tu peux pas? Tu peux pas? Oh, la partie de merde. La partie de merde, c'est pas possible. Bon, au moins ça reste gagné. Au moins, je préfère que les mecs se soient dit que c'était mieux de s'acharner sur un Musashi plutôt que s'acharner sur mes DD ou sur mon croiseur. Salut, Listiz, je te dis bonjour. Ouais, toujours en classé, ça monte pas, ça descend pas. Enfin, ça descend, mais ça monte pas. C'est symptomatique qu'il y a un problème.
Mais c'est vrai que là, il y a quand même fondamentalement personne sur le stream. C'est quand même, c'est impressionnant. C'est pas grave, hein. Faut pas la course aux viewers ou autre. Hein. C'est, mais c'est surprenant. Enfin bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de s'amuser. Ouais. Je spot. Ah, j'ai plus été spoilé sur C. Oui, mais c'est pas grave. Je dis c'est pas grave. J'ai bien dit que c'était pas grave. Bon, où est-ce qu'il peut bien être ce black maintenant? Salut Ulmo, comment tu vas? On se fait chier à naviguer sans rien faire. Salut Steph Quick, comment tu vas? Et moi ça va bien, Humo. Tranquillou, tranquillou. Salut Mickey, Nomila. Et merci pour le host Attila. Merci pour le host Attila. Allez, on repassera en neuf, youhou. Ça, c'est une game plus raisonnable. Bon, on va faire comme d'hab. Je vais aller plutôt middle gauche. Ouais, vive la Belgique! Vive les frites! Vive la bière! Vive le Mannequin Peace! Ok, bon. Désolé pour les Belges, j'ai balancé 50 000 clichés. Et une grosse dédicace à tous nos amis belges quand même. Des gros bisous. Ouais, non, là je suis pas sûr, tu vois. Et salut Danounours. La bière, c'est pas que l'Alsace. La Belgique, il faut aussi de très bonnes bières. Très très bonnes bières. Et l'Alsace, oui, c'est la choucroute, le vin.
Bon, et c'est bon, ça va? On va pas faire la géographie des cultes, des plats et des spécialités françaises quand même. Et non, le vin, c'est Bordeaux, je suis désolé. C'est Bordeaux pour le rouge. Côte de Provence pour le rosé. Et pour le blanc, c'est. Ça peut dire. Ouais, peut dire l'Alsace. Coucou. Ah, une seule overpen, fuck. Si le Benham ressort et vient m'aider, on peut tenter d'avancer en soi. Le Rhône, mais où est-ce que tu vas? Où est-ce qu'il va? Oh, le bot, c'est pas possible. Même pas foutu de lire une mini-carte, quoi. Oh là là, cette saturation. Torpille droit devant. Torpille à bâbord. Ah, il a le boost. Est-ce que je peux mettre un peu plus qu'une overpen à chaque fois sur un DD, la dispersion? S'il te plaît, non? Pas possible? Pas le droit? Un petit peu plus, genre. Ah bah, oui, fais une pause, hein. Fais une pause. Oh, ça peut. Ça, la dispersion est bonne. Ça peut faire mal. Ah, un poète. Au crack 666, merci à toi pour le follow, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il va nous faire l'Alaska? Ah bah c'est un range, j'avais pas vu. Alerte incendie. Et encore un poète. Messieurs Scro, merci à toi pour le follow, ça fait plaisir. Merci à toi aussi pour le follow et salut Picrit. Bah c'est normal au crack, c'est normal. Enfin c'est pas, c'est merci à la chaîne plutôt. Moi je suis qu'un intervenant.
Mec, là, il me faudrait du spot. Hein. Non, pas spot. Ah, j'aurais dû tirer sur le George H. Il me faut du... Mais qu'est-ce qu'ils font, nos DD? Oh la vache! Oh putain! Putain, c'est bon, je suis mort. Choice. Je sais pas comment je suis encore en vie. Ça, c'est de la méga RNG. Pas que je m'engloute. Alerte incendie. Je sais pas comment je suis encore en vie. Le move de l'Alaska était excellent, j'aurais dû l'anticiper, j'ai été nul. Et je le reconnais amplement. Par contre, je sais pas comment il a fait pour pas me tuer. Ah, et là tu fais comment maintenant le Jetland? Allez, Torp. Torp. Ah, le rune il pêche. Le rune pêche, le rune se balade, le rune profite, le rune... Hey, il va même pas rentrer dans la cape, c'est un bot. Ça ne peut être qu'un bot. Je veux dire, ça ne peut être qu'un bot. Ça peut pas être autre chose qu'un bot, c'est pas possible. Là, ça, on a gagné. Si le black fait pas de conneries, on a gagné de toute façon. Non mais je pense que c'est un débile, c'est tout. Ouais, c'est que le black qui va spotter le Musashi. En DD, faites jamais ce qu'a fait le black quand vos torpilles sont en route, parce que si vous êtes en bébé et que vous voyez une smoke, qu'est-ce que vous faites? Le premier truc, c'est que vous tournez, vous braquez vers la smoke pour éviter les torpes, parce que vous savez qu'il y a des torpes qui vous viennent dessus. Voyez? Et là où il aurait pu faire un méga perfect, bah il se retrouve à bah voilà. Et là, là il va peut-être mourir. Il va très probablement mourir. Tout ça pour avoir fait quelques dégâts en plus. Voilà.
ne faites jamais ça en DD. Quand vous êtes dans cette situation-là, juste éloignez-vous, spammez les torps, et voilà, y a pas besoin de plus. De toute façon, la partie est gagnée. Et ne faites que des décaps sur le bébé quand il essaye de cap. Ouais, le Benham a bien joué quand même. Attendez, je veux voir un truc. Ouais. Juste... Königsberg... Voilà. Quand t'as ce genre de joueur dans l'équipe... Non, je stat-champ pas, mais c'est juste... C'est nul, quoi. Je stat-champ pas, mais c'est juste... C'est juste cohérent avec ce qu'on voit, quoi. Et heureusement qu'il y avait des bons joueurs pour compenser, sinon ça aurait été une défaite absolue. Pas moi, hein, moi j'ai pas forcément bien joué, mais si l'équipe avait pas été au rendez-vous, bah voilà. Ouais, c'est ça. Non, faut peut-être pas exagérer. Et salut Spartan. On l'a invité dans le clan, faut peut-être pas exagérer non plus. Là, c'est l'inverse. 4 bébés, un croiseur, un DD. On peut pas avoir genre juste 2-2-2. On est obligé d'avoir 4-1-1 ou des trucs comme ça, genre. Ouais, je pense qu'on va le diriger vers les reines, à mon avis. Je pense que ce sera plus productif pour lui, à mon avis. Non, mais c'est... C'est... Voilà. C'est nul en soi. C'est juste nul de faire ça. Parce que c'est surtout ne pas savoir lire une mini-carte et ne pas écouter quand on dit de pas y aller. Je veux dire, c'est... Ben voilà quoi. À part si on veut jouer à un jeu de croisière, auquel cas il faudrait peut-être prendre Ship Simulator. Ouais, le Benham est excellent, bien sûr. Le Benham avec le Black, c'est les deux top 1, quoi. Le Benham, parce qu'à spammer les torps, il peut faire beaucoup de dégâts sur des bébés, sur un peu, même sur un peu n'importe quoi. Voilà. Et le Black, parce que le Black, tu peux amplement aller prendre un DD un peu isolé, tu peux amplement le 1v1, quoi. Même si peut-être que le Z46 peut faire aussi bien ce travail avec son hydro. Enfin, tu peux vraiment bien contester les caps avec ton hydro, donc c'est pas mal aussi. Oui, le Fletcher. Le Fletcher, en fait, est un équilibre. Le Fletcher est un entre-deux entre le Black et le... Black et le Benham. Le Jutland aussi, ouais.
Ah, merde, un Soyouz. Par quoi il se fait spot en fait, la Zen? Ah, merde. C'est trop bien blindé, cette saloperie. Ah bah oui, c'est sûr. Mais après, l'équipe qui a les moins bons DD perd, hein, de toute façon. Ça, c'est... C'est véridique. Cristoforo Colombo. Heureusement que Christophe Colomb préfère tirer sur le Jean Bart. Sur moi, super. Du coup, il serait peut-être cool d'avoir un poil plus de spot. Oui, non, mais le Jutland, après. Après, il n'y a pas de mauvais navire, c'est surtout. Enfin, c'est des navires recommandés. Après, ce que je veux dire, c'est que. À partir du moment où vous vous sentez bien avec un navire, sera bien meilleur. À partir du moment où vous vous sentez bien et que vous performez avec un navire, sera toujours préférable que de jouer le navire recommandé, soi-disant cheaté, etc. quoi. Pourquoi il s'inquiète? On a deux caps. On a juste à tenir, on a deux caps. Oui, non, mais il est amoureux de moi. En même temps, bah, je suis tellement broadside que oui, il a raison. Et au moment, il va me la mettre et ça va être terrible. Je sais genre juste pas trop où est partie mon équipe. Pff. Non mais la dispersion s'il te plaît.
C'est qui la piñata? C'est Bibi. Et vous savez si Kuznetsov ça marche en ranked ou pas? Oui, ça marche en ranked. C'est vraiment juste en clan battle que ça marche pas, on est d'accord. Bon, du coup, où est-ce que je peux aller? Je vais pas faire de dinguerie, on a deux caps, on n'a pas besoin de plus. Que je vais finir par l'avoir. Vous pensez que... Oui, elle est... c'est son Sigma qui est différent. Il a 1.8 de Sigma, alors que le Yamato a 2 points. Merci. Enfin la citadelle, merci. Enfin. On va aller faire un truc de retard. On va aller s'amuser un peu. Ah, encore un poète. Leirans 12, merci à toi pour le follow mon ami, ça fait plaisir. J'aime faire ça aux gens Barthes. J'aime bourriner comme ça des gens Barthes avec vous chier. Ouais, le Musashi est un poil moins précis. Ça ne le rend pas mauvais pour autant, hein. Attention, entre nous soit dit. Bon, bah on va continuer du coup. On va s'en faire une petite dernière. Fletcher, Kita. Avec un Missouri, c'est pas fréquent ça. Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? Moi, bah tu tapes sur Twitch, dans la barre de recherche, tu tapes mon pseudo, D-O-B-E-C-O-L.
Et j'ai une chaîne, c'est une chaîne avec un petit Golden Retriever en logo et je stream de temps à autre aussi. Quand le cœur m'en dit. Voilà. Merci, t'es adorable. Ah mais je les connais. Merci Spartan, mais je les connais les différences, mais c'est. C'est. Voilà, c'est. Ouais, je les connais les différences, elles sont. Voilà. Alors quoique, le Musashi est un poil plus blindé, il me semble. Si tu regardes, il a deux. Je crois qu'on pourra faire la comparaison après si vous voulez, mais il est un poil plus blindé. Ce qui est totalement antinomique, mais. Ah c'est pour Gain, pas pour. Pardon, désolé. J'ai rien dit, pardon. Désolé, c'est ma narcisse qui ressort. Désolé. Bon, allez, si vous voulez, la prochaine, on fait la dernière en classé. Après la prochaine, je vous la fais en anglais, si vous voulez. Je vous la commente en anglais. On se prendra un petit bateau anglophone, et on se la fera en anglais, si vous voulez. Soyons fous, soyons fous. C'est les vacances, après tout. Pourquoi ping ping? Pourquoi ping ping tout? Ah dommage. Allez, là, il faut lui tirer dessus, Okita. Allez, le Jutland, faut lui tirer dessus aussi. Un bourrasque. Ouais, non, pas en tier 4, s'il te plaît, Clem. Je veux bien tout sauf du tier 4. Enfin, c'est un truc un peu. Voilà, quoi. Un bourrasque, en plus d'où tu vas tester un bourrasque? C'est les navires que personne ne veut jouer, ça, de toute façon. En T4, t'as un seul DD, c'est le Clemson. Voilà, c'est dit. Le seul DD que t'as le droit de jouer en T4, c'est le Clemson. Ah, j'aurais dû mettre un poil plus de lead. Ouh. Shit. L'aider un peu. Bouya! Ah ça c'est bon ça. C'est bon ça quand on met des 10 000 au DD. Ah c'est bon. Ouais c'est ça, ils ont nerfé le truc. C'est ça bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. En plus c'était que des overpen. Donc du coup ça, dans l'ancien système ça aurait été pareil. C'est bon le Kita, c'est bon, je sais le Kita, je sais que t'as des canons qui font piou-piou. Je sais que t'as du Daka Daka, je sais, c'est bon. Pourquoi il a fait ça le Musashi en fait? Mais t'es bien là? Et toi en plus tu oses venir sur mon stream. Mais oh mais c'est pas vrai, maintenant j'ai le Fletcher dans le cul, mais c'est... Bon, de toute façon Terensky va se faire tuer.
avancer. Pauvre Terensky. Pas être facile à vivre pour lui. C'était un Akizuki donc il prend les dagues. Non, du tout. Il n'y a que l'Arugumo qui prend les dégâts de Paname. Là, c'était que des overpen. Il n'y a que l'Arugumo qui prend ce genre de truc. Ouais, il y a le Kaba aussi. C'est pour ça en fait que le Kita est quasiment aussi bien que l'Arugumo, parce que même si t'as moins de PV, tu prends pas les peines de bébé. T'es plus furtif, plus maniable. Torpille à bâbord. Ouais, je fais une blap. J'en parle même blap. Mais je peux te rendre les coups aussi. Kyunar. Oui, je sais, je t'ai énervé, le Tita, pas prendre tes torts. Oui, je sais. Oui, je sais, je t'ai énervé. Je sais, j'ai été une mauvaise personne, je sais. L'Arugumo, ah oui, il adore les roquettes, oui. Ouais, dans cette situation, après, autre petit trick, si vous êtes en bébé et que vous êtes dans cette situation, ne blindez pas, ça sert strictement à rien. Ne blindez pas, restez comme ça, vous maintenez ce statu quo et ça suffit amplement. Ah, maintenant, là, on sait qu'il est sorti. Parce qu'il est obligé de me tirer dessus, voilà. Donc pour me tirer dessus, il est obligé de sortir de sa smoke. Bonne RNG là sur le DD. Ah dommage. J'aurais dû leader un poil plus. Non. Ça sert à rien parce que sur le fond j'ai aucune raison de le blind. On a l'avantage. Donc j'ai aucune raison d'aller perdre mes PV. Si effectivement on était dans une situation de défaite, oui, ça c'est obligatoire. Mais là, comme on est en situation de gain, autant jouer la sécurité. Ah oui, ils l'ont bien relevé la citadelle. Oui, ils l'ont bien relevé la citadelle. Oui, ils l'ont bien relevé. Capouya. Oh là là, j'adore le Yamato. J'adore le 460. Capouya. Allez, tirez-moi dessus, je suis une piñata, je suis là pour ça. Allez. Allez, balancez-moi des torps, je suis là pour ça, je suis là pour tanker, je suis un bébé increvable. Allez, vas-y, mon pote. L'eau s'infiltre rapidement. Voilà.
Ah, ils l'ont peut-être un poil trop relevé là, du coup, la citadelle quand même. Même un Missouri, un Montana, Problème résolu, chef. n'importe quoi, ce serait pas pris ça, quoi. On passe d'une situation quand même qui était unfair à une situation qui est un peu. Ouais, c'est un peu over. C'est un peu trop là. Qu'il faut savoir aussi un truc, c'est que comme l'arrière du lion est carré, enfin plat, un bébé, même s'il peut pas l'overmatch, il pourra quand même le pénétrer. Faudrait que je tente ce genre de truc, c'est possible en Montana par exemple, sur un conquérant. En passant par là. Ça, c'est le meilleur klaxon. C'est la meilleure cône de brume, celle-là. J'arrive, hein, Clem. Mais si tu continues les classer, c'est pas de Non, problème. non, du tout. Tout, on va faire un peu tout. Là, j'en suis à 4 victoires d'affilée. Maintenant, je vais lever un peu le pied sur les. Vous voyez où vous ce petit dédé là? Je déteste les gens qui font ça. Ouais, c'est supportable, elle est perdue pour lui en plus. Elle est archi perdue, donc autant tenter un truc, quoi. Voilà, t'as juste tout ça pour aller se mettre là, quoi, please. Gros ovoï. Amplement gros ovoï. On a l'air de. La branche cabas, je sais pas la jouer en fait. Et j'ai pas la patience pour apprendre à la jouer. Ça m'insupporte comme branche. Moi, j'ai toujours aimé dans les jeux vidéo avoir un jeu furtif, discret, etc. Donc si je dois prendre une branche de dédé entre les deux, je prendrais le gros ovoï. Surtout que le gros ovoï est un excellent hybride en fait entre le cabas et un dédé. T'as des torpes, t'as de la furtivité, t'as de la vitesse, t'as des bons canons. T'as une excellente balistique, donc je préfère amplement le gros. Notre équipe a pris l'avantage. Et tu prends pas les peines des bébés aussi. Aussi. Oui, non mais là je prends le Musashi pour les ranked, oui. Et après j'ai toujours aimé avoir de la furtivité. C'est bon, j'ai fini, je suis au port. Ok, excuse-moi, j'étais sur le stream en même temps. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Allez, on va tenter une RNG stream. Tu veux faire quoi? Ce que tu veux. RNG stream. Non, pas RNG stream, évidemment. C'est quoi ça, une RNG stream? C'est pour voir si j'ai un super conteneur. Ah. Ouais, toujours un peu d'XP libre, ça fait plaisir. Bon, moi je prends derrière de test, ou Gros Ovoï, Buffalo, Cleveland. Prends ce que tu veux. J'en ai, je prends, je m'en fiche vraiment. Prends ce que tu veux, toi. Allez. Tiens, je vais sortir mon gros zoo. Non, bah tiens, tu sais quoi, je vais sortir mon cabas. Juste pour montrer que je l'aime pas. Ah, tiens, je vais prendre un vrai DD alors ou pas? Enfin, Vas-y. son copain. Tiens, on va. Ils vont être contents. Vas-y. Bon bah go. Ah, je l'aime vraiment pas ce navire. On peut plus l'avoir le Musashi. On peut plus l'avoir et il a été retiré de la vente. Le seul moment. Enfin, si t'as deux moyens de l'avoir, c'est soit une manière sûre dans les super conteneurs, soit on suppose que à Noël ils vont mettre des conteneurs spéciaux qui permettent d'avoir des navires premium, dont les navires retirés de la vente. Même le Belfast.
Même le légendaire Belfast, exactement. Les larmes vantes. Pouh. Oui, non, mais le Belfast c'est monstrueusement Deux monstrueusement. radars ennemis en face. Ouais, c'est pas vraiment les enculs. Et quatre chez nous. Tu peux inverser toi? Ouais, je vais aller en eau ouverte. Salut Fiesta Flex. Ah, pareil. Le radar qui est en face, je vais pas aller sur B. Oui, c'est Clément, c'est Clément qui nous qui vous qui traduit les news en anglais. Exactement, c'est moi. C'est lui, voilà. Qui fait un travail absolument nul à chier parce qu'il vous empêche d'apprendre l'anglais, donc voilà. Et moi, ça me fait progresser personnellement. Ah bah oui, ça te fait progresser. Et on dit merci en plus. Et en plus, vous osez lui dire merci, genre. Putain, c'est truffé de fautes d'orthographe, ça vous empêche d'apprendre l'anglais et vous lui dites merci. Non mais Oh, les mecs. truc d'orthographe, t'es sérieux? De rien, de rien. Moi, ça me fait Et plaisir. Et puis, après, tu sais, il va écrire un article sur son blog. Pourquoi Dooby Cool est un streamer de merde? Pourquoi c'est Dooby Cool est ça. un gros enculé dans ses streams? Pourquoi Dooby Cool est un connard alcoolique qui ne devrait jamais avoir le droit de streamer? En fait, il va se transformer, ça va être un blogueur didactique, et il va passer de blogueur à scandale, tu vois. Ça. Et après, il va devoir se réfugier dans une ambassade d'Amérique du Sud, parce que voilà, il aura trop blogué, et voilà, et il aura fait trop de scandales. Ouais, merci Spartan. Merci du soutien, ça fait plaisir. Comment ça, l'article sur moi est déjà sorti? Clément! Ah, c'est sûr que si je vise mal. Un gros jeu là-bas, mais sur Gino. Oui, je l'aime pas, mais il faut le jouer. Je veux dire, c'est pas parce que j'aime pas un navire que je dois pas le jouer, tu vois. Poum, pouf ça le Shima. Bah, tu vois, j'aime pas le Kaba, mais il faut apprendre à le jouer, faut apprendre à le maîtriser, tester des builds, etc. Tu vois. Et c'est parce que le petit Clément, il me parle depuis tellement longtemps de son gros zoo que j'avais envie qu'il joue son gros zoo aussi. Voilà. J'ai été gentil. Je suis une gentille personne. Ouais, moi je l'ai mis en discrétion. J'essaye des builds en fait. Honnêtement, j'essaye des builds. Sur le cabas à discrétion? Ouais. Oui, je sais, Intéressant. c'est peut-être débile. Shiva. Mais. Après, honnêtement, j'avais mis IFHE, mais finalement, aller travailler des croiseurs au corps, c'est peut-être pas la chose la plus utile. Aïe. Joli ça, joli. Le radar, très beau. Bon, moi du coup je vais remonter, je vais aller les choper. Oh là là! Oh non, mais c'est pas ça. Nice. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, mais c'est. On perd deux navires d'un coup comme ça? Ouais. Bon, on a tué le chinois. Ah, si je vise mal. Bon, je vais aller vers B doucement, moi. Et merci à Apophis TV pour le follow, ça fait plaisir. Merci à toi du follow. Ouais, va sur B, si moi je vais les push. Je vais les push back avec le Shima. Sinon, le Z52 va faire le tour de l'île et il va se replacer.
sur la réunion, donc il va pas me gêner. Non. Donc on est bon. Vous pouvez sortir le Z, ça serait parfait. Amélioration au commandant. De quoi, Spartan? Torpedo prямо по курсу. Torpide, ouais, torpide. T'es encore dans ta smoke, mon pote? T'es encore dans ta smoke? Non, t'es plus dans ta smoke, hein, mon pote. T'es où alors? T'es là-bas, mais pourquoi t'es remonté tout là-bas? Ah, t'avais déjà rechargé tes torpes. Torpedo za kormoy. Gagne, gagne, ok, gagne. Ouais, non, t'es trop loin. J'arrive. Ouais. Ouais, je fais avec un gearing là. Bonjour, my friend. Coucou, c'est moi. Dégage. Déjà que moi je servais pas à grand chose, mais alors le Z, alors il sert encore moins à rien. Encore plus à rien. Oui. Un Z52 full torpille, oui, c'est très fort, un Z52 full torpille. Qui a 68 secondes. Bah, d'être chrono, tu recharges énormément vite en fait. Ouais. Ton avantage. Bon, je descends, je vais m'interposer. Au sud, il n'y a plus de danger. Pas de problème. Maintenant aux jambartes. Je le suis aussi. Je vais aller shooter le Yoshino. Que toi plaise. Ouais. 6.4, mais ça fait beaucoup, hein, 6.4. Pour un torpilleur, si vous voulez le mettre full torpille, le Z52, ça fait énorme, hein, quand même, 6.4. Avec l'amélioration légendaire, ouais, c'est pas... Parce que un des gros avantages du gros Ovoid, c'est son hydro, en non, fait. Non, je parlais du Z. Ah oui, je veux dire du Z, en plus, je veux parler du Z. Un des gros avantages du Z, c'est son hydro pour contester les tapes. Et c'est la différence entre la portée de dissimulation et la portée de l'hydro qui joue beaucoup dans un duel de DD. Ouais. Donc vous perdez cet avantage si vous mettez l'amélioration légendaire. Je peux te smoke un Dobby. Non, t'inquiète. Oh, quoique. Moi j'arrive, attends. Attends, gearing. Ah putain! Salopard, je m'en prendrai. Быстро набираем воду. Не
Oh, je suis mort. Laisse. Putain, l'enfoiré, bien joué à toi. Attention au Yoshino qui fonce. Hein. Il est pas du tout FK le Yoshino, non? Oh que non. Je vais finir le Curfus et puis je passe au Yoshino. Nice. N'hésite pas, tu peux y aller à la AP hein, sur le Yoshino. Distance, ok. Ah oui. Ouais, ça marche plutôt bien. Bah, si je te le dis, ça ne peut que marcher. Bah oui. Tu vois, là, tu vois, t'as tout de suite ce petit réflexe, tu passes à la... La AP des DD fonctionne bien, quel que soit le DD, hein, y a pas... Y a pas de mauvais DD à la AP. Mais maintenant tu peux foncer dans la cape. Oh, j'y vais, j'y vais. Je me saoule un peu le mec de la CNAF, hein, franchement. Salut au fast. C'est 9 km à l'arrière du booster. Ouais. Ça c'est osé. Bah je me suis dit peut-être avec l'île. Il s'est enfermé le booster. Ah faut que tu le spots par contre. Ouais j'y vais. Je fais le tour de l'île.
Ah ouais, il y a Eftal, ça a une graine là-bas. Je sais pas ce qu'il fout. Ouais, je suis con. Monty mort. Ah, c'est le Stalingrad qui va tout finir maintenant, mais c'est pas possible. Je vais jouer cette fin de game. On va faire le Shima aussi. J'avoue, j'ai un peu mal joué sur le fin de game. Hein. Faut pas que tu te smokes comme ça quand il y a un booster dans les parages. Mm. Bien. Et il continue à reculer encore. Non, il c'est recule le Stalingrad. Allez, je vais au port. C'est loose. Oh, pas sûr. Hein. Avec la chance qu'on a, il a plus de radar, le Staline. 170 secondes. Moi, je veux même pas voir ça. Allez, une petite en Belfast, ça peut être pas mal, ça, une petite en Belfast. Ça marche, attends, 34 x 3. 34 x 3. 34, 68, ça fait 80. Ça fait 102. Oui, 102. 102, et nous, la moitié, 52. 52 et à la louche 840, on gagne. Normalement, si parfois on gagne. Bien sûr, mais bon. Avant qu'il le nerf, le Belfast. Donc, tier 7, j'ai quoi en tier 7? Yudashi. Musashi en tier 7. Yudashi. Oui. Yudashi. Faut que j'équipe par contre, je suis pas sûr qu'ils soient équipés. Je vérifie. Take your time. Et voilà, c'est ça, mais on se retrouve toujours avec des joueurs qui foutent la merde et qui font perdre les parties. Yudashi, tu penses que super attendant, je peux le troquer contre. Oui. Si c'est un torpilleur, oui. Ah, qu'on s'appelle, ouais, ok, je vais le faire alors. Me gêne ça et ça voilà oui et bah bonne sieste Yudashi. À toi Gain bonne sieste le Yudashi si tu veux c'est un Shiratsuyu orienté d'or ouais bah ouais tu vois on la perd qu'est-ce que je t'avais dit non on la perd ouais on la perd attends oh fait chier. J'ai mal joué sur cette fin de game, moi aussi, on aurait pu la gagner, moi je me suis pris la tarte. Puis moi j'ai mal joué tout comme, enfin vraiment. Bref, on finit 4ème et le tableau. Bon. On y va? Ouais. Ou... Ouais, okay. Ouais, on peut y aller. Vu ses stats, c'est marrant quand même qu'il ait pas su, qu'il ait pas compris comment se repositionner, c'est bizarre. Un radar, pas de CV.
Ah, ça chauffe, clair. Oh, merde. Si je fais tomber un verre, en effet. Casse pas tout. Tu vas aller. Quitte pas, j'arrive, je reviens, j'ai pété un verre, je vais juste chercher de quoi essuyer. J'arrive. Ah, pas de ouest Toby. La bataille commence. Chut, hein, vous dites pas les gens. Le Yudashi, comment je le trouve? Honnêtement, je suis pas vraiment Ouais. fan. Il a une dissimulation mauvaise. Enfin, 6-1, c'est pas génial, je trouve. Et puis, j'ai du mal à le jouer, en fait. Je sais pas, j'ai du mal à le jouer. Et salut Toran29. Surtout le navire un peu qui sert à rien de Yudashi quoi. En plus moi j'aime vraiment, j'aime beaucoup utiliser canon quand même en destroyer, c'est pour ça que j'ai le Grozovoy. Et là avec le Yudashi c'est pas vraiment ça quoi. Bah ça reste du Japs. Hein. Ça reste du Bah ouais c'est Japs ça et quoi. t'as tellement peu de PV que. C'est ça. Enfin tu me diras, notre DD c'est un Lightning Stock, donc bon. Effectivement. Un truc que j'étais sur ce navire aussi, c'est prendre, comment on appelle ça? Altération des torpilles. Ouais. Ouais, bah pour le coup, si t'as des torpilles à 15, c'est pas déconnant en soi. Exactement, ça me fait tomber à 12. Je conteste. J'arrive. T'inquiète pas, on va se le faire. Reste solide, on va se le faire. Il va se barrer de toute façon. Je te laisse, je vais essayer de le maintenir spot, mais. T'as des smokes sur ta merde quand même. Ah oui, j'ai quand même des smokes, oui. Tu sais en poser une là ou pas, Stop? T'es où? Ouais, je peux. Attends, je t'attends parce que t'es un peu loin. Que je t'attends ou que je revienne vers toi? Non, bah, sécurise la cape. Ouais, je préférerais, ouais. T'as même. T'as. Ouais, c'est des torpilles. J'ai cru comprendre que c'est des torpilles longue range sur le Yudashi. Oui, c'est torpillé à 15 km. Vas-y, vas-y, pause. Merci. Rien. Je te l'étends. Ouais, c'est torpillé à 15, mais qui vont pas très très vite. Salut le Vauclin. GG, you're dead. À 8 km le radar. Ouais. J'ai utilisé de manière un peu précipitée. Oh là là, mais pourquoi je l'ai encadré? J'étais à cap, hein, j'étais spoté vite fait et puis. J'ai pas pu freiner à temps. Bon, tu finis le Nuremberg, je pense. Ouais, je m'en occupe. Juste de côté, hein. Je te le respot. Il y a un crevable, c'est Nuremberg. Ok, attends, je te le spot. C'est bon. Un Vauclin aussi. Et je suis radar par Cleveland, 9 km. Okay. On a détruit un croiseur ennemi. 5, 6, générateur de fumée 7, enclenché. 8, 8, 9. Je joue safe. Écran de fumée en place. Bon, j'étais un peu dégrossi de clèves. Si tu savais me spotter le Vauclin, ça serait top. Je vais test. J'ai plus de tort, j'ai plus d'hydro, j'ai plus rien là. Bah je vais te le spot, écoute.
J'y vais doucement en marche arrière parce que. Ah putain, c'est tard. Oh là, je me tapisse. Vauclin. Bah voilà, tu vois. Ce soir été. Le meilleur travail est toujours celui qu'on fait soi-même. C'est ça. Je dis ça, je dis rien. Bon, dans 14 secondes si tu veux. Non mais hey, tu vas pas me klaxonner. Bah écoute, attends, je vais me repositionner, je vais faire mon petit tour et je reviens et si tu veux. Ça me donnera l'occasion d'avoir mon hydro, comme ça j'arrive. Non, elles sont pas du tout discrètes les torpilles du Udashi, elles sont spot à je crois 2-5. Non, 1-5. 1-5, ah ils l'ont baissé quand même. Oui, quand même, 2-5 c'était un petit peu abusé je trouve. Oui, je confirme. Écoute, si tu me fais du spot, vas-y, tu peux en remettre une si tu veux. Ça marche. Bah écoute, je vais aller spotter de toute façon. Le Vauclin, il s'est quand même pris une énorme claque. Ah, bravo. Merde, je l'ai pas vu celui-là. Ah bah bravo, franchement. Alors là, en stream en plus. Ah non mais franchement, alors là, non mais... Bravo. J'ai même pas vu. Putain. Je vous dis, je suis maudit avec ce navire. Je vous dis, je suis maudit. J'arrive pas, j'ai pas réussi à faire le sac de correct avec. Soit je meurs, soit tout le monde hit mes torps, soit je fais ça. Fiji se prend même pas la torpe en plus. Ils vont arrêter de crever. Déjà, mais d'où ils crèvent tous. Non, ils sont méchants avec moi. Non mais. Mes yeux étaient pas en vacances, mais je sais pas. J'ai pas pensé à regarder. Enfin, ils sont en train de se faire outplay par un Fiji de merde, genre. Waouh. Ah putain, ouais, j'ai même pas vu. Il y a le Vladivostok qui se prend 3 torpes là, non? Ouais, il meurt, Vladivostok. Ouais, peut-être pas mourir. C'est bon. Super, là je vais plus rien voir. Je suis désolé, c'est ma faute. Écran de fumée en place. Ah, mais j'ai vraiment fait de la merde ce coup-là. J'en reviens. Tu vas être obligé de bouger. Salut Kerry, comment tu vas? Tant pis, j'attends, je me retire. Pas le choix. Fallait prévenir, se mettre en chat. Attention! Dobby me l'aurait dit, puis j'aurais pas fait ça. Enfin, si on regarde, j'espère que quelqu'un l'a clippé cette scène, parce que si on regarde, on dirait carrément que tu le fais exprès. Ouais, j'aime beaucoup Rose. Non, je sais pas, c'est peut-être aujourd'hui, ma soeur m'a fait un scandale, ça m'a tourné le cerveau, du coup je fais n'importe quoi. J'ai voulu me venger sur le Bayern. Ah bah mais. T'as pas l'impression que je suis un peu toi, je suis mort de toute façon. Oh pas du tout, t'as l'air bien en position. Au moins moi j'ai pas TK quelqu'un. Bon bah là c'est bon, t'as même pas me ressortir tous les jours. Putain. Ah mais totalement. C'est impressionnant d'avoir des équipes aussi nulles. Qu'est-ce qu'ils ont été s'enfermer là-bas? Ils ont mis plus de 10 minutes à sortir un Fiji et un Atago avec tous les bébés de haut tiers. C'est impressionnant. Dobby, tu continues le stream là ou pas? Oui, je m'en fais une dernière. Okay. Je te laisse 5 minutes ou à moins que tu veux y aller tout seul, il n'y a pas de problème. Moi, bon, je vais y aller tout seul, je m'en fais une d'heure et après j'ai arrêté. Okay, j'ai faire des courses. Bon, au revoir le stream. Ouais, enfin, tous ceux qui regardent et puis merci d'avoir regardé. Ouais.
C'est maintenant, il va aller se cacher en sa tanière. Et Je salut vais partir Bigornette. loin. Ouais, il va partir loin, c'est ça. Allez, merci, Dobby aussi. Allez, bah je t'en prie, bah à toute. À toutes. Bon, allez, chose promise, chose due. Je vais vous en faire une en anglish avec le daring pour la dernière. Voilà. Allez. Allez, 3, 2, 1, let's go. Ouais, coucou, je panier, Clément. Oui, les redis retournent à ces traductions, exactement. C'est très bien. Vous avez bien compris, vous avez bien cerné le personnage. Ok, bon. Allez, quand ça commence, on va commenter en anglais, ça va être super. Génial. J'appréhende. J'appréhende énormément. Ok. So, I will be featuring a daring gameplay, so I will go straight forward to bring some spot to my team. And yes, this is a challenge provided by Everett, Everett the Great. Yes, with my wonderful Daring that I visited in Australia. This is a HMS HMAS Vampire, a ship from the Australian Navy. Can't believe I said that. I need to shoot down like another 70 planes now to see civvies. Oh yeah. Yeah, Everett is a bad guy. Very bad guy. Come on, team, follow me. Don't leave me alone. I don't want to die, I'm too young to die. Come on. Oh, tonnerre de Brest. What did tonnerre de Brest mean? Oh my god. Okay, Daring is here. I think that I can push a lot. Oh my God, Yoshi Truc is here. Oh my fucking god. Oh yeah, I like this. What the fuck my team is doing?
Yes, I know again. I know that you will just get me into trouble because I said Yoshi trick. But this is just a Yoshi trick. This is just a useless ship without any qualities, any strength, only bad aspect, bad stats, bad everything. Look at this wonderful ship. This is a wonderful ship. What? Yes? Why is my ping so high? What the fuck? Never. Oh my god, this game is going to get to be very boring. L'ennemi est sur le point d'emporter. Of course, we have all the caps and we are all stuck here. Let's put the smoke. Générateur de fumée enclenché. Écran de fumée en place. And shoot. Die, burn. Son of a friendship. Oh fuck. Oh fuck. Oh my god. Okay, one. I think that I should go cap now. Or should I smoke? I'm going to die. I'm going to die for sure. Oh, what the fuck? Stop blind, please. What a boring game. What a very boring game. And nobody seems to be capable to just cap or just to focus and to kill anyone. Nice. Nice, nice, nice. No problem, that's going to be my job. My pleasure.
Three Losers. Écran de fumée en place. L'ennemi est sur le point d'emporter. Take your fluid. Yes. But we are losing. And I need to hold this cap and kill this Kremlin, so now damage first. Oh my god. Yeah. We need to get rid of this Kremlin, so yeah. Here comes the Yoshino. Nice. Générateur de fumée enclenché. Oh shit, this is an hydro. Oh my god. Écran de fumée en place. Goodbye. Bye bye. Bon. Alors oui, non, non, oui ça, mais il fallait sortir le Kremlin, donc là il fallait maximiser les dégâts. Mais de toute façon, c'est une partie qui était absolument désespérée. Hein, de toute façon, c'est juste une partie, c'est un stomp. Voilà. Voilà, voilà. Bon bah ça fera 3 loses. Ajoutez à mon palmarès. Voilà, et surtout le Yoshino qui joue avec détection des cibles et Hydro, c'est... Bref. Bref. Bon, sur ce, moi je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été tous aussi présents. Et demain, je ne serai pas là sur mon créneau, c'est Crosswax et Sébastosui qui feront un stream commun. Voilà, et je vous retrouverai donc mercredi à la même heure, à partir de 16h. Allez, je vous fais des gros bisous. Merci à vous d'avoir été là. Prenez soin de vous. Que du bonheur. Et je vous dis à mercredi. Tchuss, bisous.